Coucou YouTube, on se retrouve pour l'épisode 4 sur Final Fantasy 7 Rebirth. On va commencer, donc là on s'est arrêté, on s'est fait latter les couilles par Titan. C'était un petit, voilà, on a tâté le terrain pour voir la différence de niveau qu'on a avec les espères là à ce niveau-là. C'est assez marrant. Donc il va falloir vraiment pexer, vraiment bien monter les persos. Et on continue directement. Bon, par contre, des fois, y a des petits problèmes de collision par moment. Je vais prendre le coffre, les gars. Voilà, descend. En tout cas, je vois pas Sephiroth. Moi non plus. Bon, mais apparemment, ouais, on a l'air d'être sur la bonne voie, là. C'est Midgar Zob. Putain, elle se fait déchirer. Ouais, attends, je sais tout ça, c'est bon. Alors, attends, la force de l'innocence, aspiration de mana. Alors, sort. Tu vas, il aimait pas la glace, Midgar. Midgar Zub. Ouais, il va falloir vraiment que j'améliore les persos. Ça va être important. Oh,
C'est stylé, n'empêche. Ça explique beaucoup de choses. Tu ne tueras pas Cloud. voilà comment ici pour en parler. Ah, c'est bien fait, putain. Ces hommes en noir sont probablement à sa poursuite. Oui. C'est l'impression que j'ai, moi aussi. Alors suivons-les. Vivement que j'ai les effets de zone, hein, parce que sinon... Ce sera tellement plus pratique, surtout pour les sœurs avec Iris. Sur les traces des manteaux noirs, le début d'une nouvelle aventure. Sephiroth est ici? Je sais pas. Mais à mon avis, il y a des monstres. Certainement. Il n'y aura que du menu fretin. Aucune raison de stresser. C'est facile à dire pour toi. T'es un soldat. Moi, c'est pas mon métier. Moi non plus. Ouais, pareil pour moi. Cloud, on compte sur ton talent. Ça fera 2000. Entre standard et de luxe, c'est bien ça? De quoi est-ce que tu parles? Du menu. Du menu? Allons-y. Restez sur vos gardes. Ici, autrefois, on prélevait beaucoup de mithril. Vous savez tous ce que c'est comme minerai. Je crois en avoir déjà entendu parler. C'est un métal très dur. Et à l'apparence magnifique. Vous avez tous les deux raison. Et figurez-vous qu'en plus de ça, il est aussi extrêmement rare. Parce que de ce que je sais, on en trouve uniquement ici. Et croyez-moi, c'est un milieu que je connais très bien. C'est que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à travailler dans les mines. Dans ce cas, on va chercher du mithril. Non, maintenant, ça sert plus à rien. La Shinra a réussi à recréer un métal presque identique de manière artificielle. Un matériau extrêmement solide et tout aussi étincelant. Une méthode dérivée du raffinage de matéria. Ah bon? Vraiment? Il me semble. C'était bien la peine que je me soigne. Je m'en doutais. Il peut y avoir des trucs intéressants dans les coffres. Je veux pas cracher sur les matériaux là. Fail. RIP. Pourvu qu'il n'ait rien. Ouais.
Mais bon, mieux vaut pas trop y penser. Ouais, je te comprends. Moi aussi, ça me turlupine. Bon, je vais voir ça. Ok, je viens avec toi. Non, dans un endroit comme celui-là, vaut mieux savoir où mettre les pieds. Désolé, mais tu risquerais de te blesser. Je vais t'accompagner. J'ai l'habitude de ces terrains-là. Bon, d'accord. Désolée. Enfin, je vous remercie. Pas de quoi. Suivez bien l'autre. Le père des pas de vue. Faites attention, hein. Ok. Allez, papy. Ce truc. Ne te précipite pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. J'arrive. Ok. Avec un peu de chance, ça nous conduira à la sortie. Allons voir. On va mettre les bonnes matérias et tout ça, donc ça va beaucoup beaucoup mieux. Claire. Tout est une question de gestion dans ce jeu. Tout est gestion. L'ascenseur est en panne. Hein. Oh, la chaise est brisée. Cherchez un marchepied. Elena, ouais, merci. Voilà. J'ai le nom. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait pour lui alors? Franchement, si je peux me permettre, j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de cette mission. Pourquoi il faut qu'on suive ces manteaux noirs? À quoi ça nous sert, au juste? C'est un ordre venu d'en haut. Et les Turcs obéissent aux ordres sans poser de questions. Waouh! T'es encore plus sérieux que t'en as l'air, toi. Celui-là, en tout cas, je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Bon, abrégeons ses souffrances. C'est ce que Tseng ferait s'il était avec nous. Les monstres. Qui est là? Putain, la Louis Fine. Pardon. Avalanche. Je me présente. Je suis le nouvel espoir des Turcs, Elena. Préparez-vous à souffrir, ennemi de la société. Et Reno? Il est en vacances. Et malheureusement pour vous, c'est moi qui le remplace. Elle est nouvelle, mais c'est quand même une Turc. Alors ne la sous-estimez pas. Yes!
se fait malmener, la pauvre. J'adore. Hein. Ça faut que je regarde un peu. Faut faire les... Hein. C'est stylé, j'adore. Bon, par contre, ils font mal à ma Iris là. Hein? Ah, Iris, celle-là. Ah oui, quand même. Voilà, oula, c'est risqué avec Iris, là. C'est très, très risqué. Ça pète de partout. Alors. Qu'est-ce qu'il me fait là? Un peu magique. Lol. Quel phénix magique. C'est cool ça. Good. Alors maintenant, vous allez payer pour le secteur 7 et pour mes camarades. Ce n'est pas à nous qu'il faut en vouloir. C'est vous qui avez commencé les hostilités. Et nous avons désormais d'autres priorités.
Vos têtes sont toujours mises à prix, bien sûr. Mais si vous ne vous interposez pas, nous vous laisserons filer. Descends un peu pour voir! Prends bien soin d'Aerys. Oh. Elena! Excellent. Tu sais bien nager. Où sont les autres ? Ça fait du bien de se rafraîchir! Est-ce que vous allez pouvoir remonter? Ouais, t'inquiète! Rendez-vous à la sortie, alors! Ok! C'est le meilleur duo avec Anunnaki et Barrett. Je les aime trop. Des types comme ça, j'en ai vu beaucoup avant. Dans le labo de Hojo. Ils seraient très intoxiqués à la Mako. Saleté de Shinra. À ton avis, pourquoi ils déambulent tous comme ça? Il est possible qu'ils suivent Sephiroth. C'est ce que pense Cloud. Il t'a dit ça? Il m'inquiète, lui, en ce moment. Avec Anunnaki et Barrett. Cool. Comme quoi, tu vois, c'est important de bien custom tous tes persos, en fait. Hein. Collier de rébellion. Bon, par contre, là, on peut en profiter pour prendre des super potions, mais que deux. Tiens. Une materia. Oh, il y a trop d'embranchements, les gars. Mais je veux cette matière, moi. Et à mon avis... Ouais, ils sont présents, ouais, comme Rouge 13 dans Remake. C'est le wagonnier. Le wagonnier. Je suis dans quoi ça encore? Ah, attends. Ah, oh, putain. Ouais, mais j'ai pas de wagonnier là, les gars. Oh. Moi, je veux savoir comment j'ouvre cette porte. Bien si on sort rapidement de la mine quand même.
Lol. Allez. C'est reparti. Il faut ramener le chariot ici. Ensuite, tu remets l'aiguillage dans le bon sens. C'est tout un puzzle. Intellectuellement, c'est un voyage. Laisse-la, hein. Allez, ciao. Eh ouais. Oublie pas mes guides, hein. Bon, moi maintenant, ce qui m'intéresse, les gars, c'est savoir comment j'ouvre cette grille, là. On dirait qu'on ne peut pas l'ouvrir de notre côté. Ah. Je vais essayer. D'accord. Il te faudrait ça. Disons 2000 guilds. Hein? Ah. Matériel à foudre. Oh, ça pue le boss là. Pour moi, j'ai kiffé quasiment toutes les musiques, hein. C'est trop cool, par contre, le bouclier là. Avec Nanaki. Allez, on a fragilisé là. On lui fait un petite colère maximale. Ouh. Allez, vas-y, morsure, morsure. Oh là, il est choqué. Je sais pas les transcendances du coup. Faut qu'on le choque plus rapidement. Oh, je sais pas si ça va lui faire quelque chose, Ramu. Je pense pas que ça va lui faire grand chose, mais bon. Voilà.
faiblesse, faiblesse. Il y a une petite faiblesse, écoute. Let's go. Pétons-lui la tête. Javelot de foudre. Pas travelot, javelot, j'ai dit. Ne me prenez pas, hein. Elle est cool, hein. Oh. Ah, les musiques elles sont énormes, Elfia. Elfia, pardon. Attends. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'augmente la barrière avec Rouge 13. Allez, Nanaki. J'ai pas mis d'invocation sur Nanaki? Très très cool le boss fight. Très très cool. Des escaliers en mitrille. Eh bah quel luxe. Ouais, il faut avouer que le teammate avec Nanaki et Barrett est assez efficace. Le côté bouclier et tout ça là, c'est assez cool. Merci pour les GG. On l'a first try celui-là, tu vois. Ah, une fois que t'as les bonnes matérias, une fois que tu gères bien tes persos, c'est bon. Après, on est au début du jeu aussi. Niveau matériel, c'est assez pauvre pour le moment. Attends. Parce que là, j'ai vu que tu peux monter. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché là aussi? Ah ben non, attendez. Laissez-moi juste checker là quand même. Comme quoi. Pas de nous faire de l'œil, hein? Le sol peut encore s'effondrer à tout moment. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Ouais. Le problème, c'est que la Shinra sait où nous sommes. Ils nous tentent peut-être une embuscade. Si j'étais à leur place, c'est aussi ce que je ferais. Mais bon,
Quoi qu'il en soit, on doit quand même y aller. On n'a pas le choix. Pas après ce qu'on a vu à Midgar. Il est désormais de notre devoir de protéger la planète. Si la Shinra se met sur notre route, faudra les affronter. Continuons de suivre les manteaux noirs. À mon avis, ils nous mèneront à Sephiroth. Alors, on va continuer, on va essayer de sortir de la grotte. Si on tombe dans l'open world, c'est bien, comme ça je peux arrêter l'épisode là. Aïe. Hey, on se calme, on se calme. Allez, ensemble. C'est un autre. J'envoie tout d'un coup. C'est propre. À mon tour, t'as pas vu ça. Ah, j'ai cru que c'était des trucs de pierre, moi. Des dégâts de zone assez importants. J'ai subi pire que ça. Oh, tiens-toi. Allez, dans ta face. Tu fais des pièces. Voilà. Merci pour les GG Maya. Tu gères mieux Barrett et Nanaki que Aya et Tifa, ouais j'avoue. Je m'y attendais pas en fait. La posture de Nanaki, elle est impressionnante en fait. À partir du moment où tu t'arrives à placer ta posture de défense là. Hé, hey, regardez. Pas de Shinra ? Je les vois nulle part. Il a pas eu de chance, lui. Ouais, c'est ça, Ifia. Regardez, c'est quoi là-bas? La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. Yes, parfait pour l'épisode. 57 minutes, nickel. Esper Phoenix, simulateur de combat. Phoenix. On s'en rappelle, hein. Eh ben, c'était bien cool, hein. C'était intéressant.
faire un peu d'annexe. Ouais, on va faire un peu d'annexe et après on repartira. De toute façon, là, j'ai de quoi faire sur YouTube déjà en épisode là. Je vais m'amuser à faire des petits montages. Et après, quand je reviens sur Twitch, on s'amusera à faire un peu d'annexe. Ça, par contre, je pense pas faire vraiment de VOD. Hein, donc, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch aussi hein, pour voir les épisodes en direct. Hein. Vous pouvez venir me follow dessus. Et ben voilà, si le contenu vous a plu, mettez toujours un petit pouce, ça aide au référencement de la vidéo sur YouTube. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ben merci YouTube, à plus.